This is the farthest that I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me. And Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Approaching 4546 speed. Surface temperatures. Drop pod deployed. Bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, oh la vache, ça commence fort, pour un petit let's play sur Subnautica Below Zero. Alors, il y a la capsule de survie là-bas. Bon, on va déjà fouiller les alentours. Il y a ma température qui baisse d'une force monumentale. Là, je peux récupérer des trucs. Non, pas de débris, ni titane, ni quoi que ce soit. Si, là. New blueprint synthesized. Ok. Alors ouais, ça, la température, c'est un truc qu'il va falloir gérer en plus de Subnautica normal. Et je crois que j'ai baissé le son des effets à l'avenir parce que... Je vais pas prendre toutes les fusées éclairantes, hein, ça me servira à rien. Quoi que, au pire, je les dropperai. Ouais, ce que je disais, j'ai fait de baisser... Bah doucement, à l'avenir le son, parce que même moi là je m'entends pas parler. Et de quoi me réchauffer. On va aller par là. Holy smokes. Ok. Did not go as planned. I should find a way into the water and get to the drop pod. Okay. Alors, on va la laisser en rouge. Ça, okay, c'est bien. Aïe, ok. Donc, déjà c'est cool s'il y a des plantes qui réchauffent. Ça c'est quoi, ça ramène... Ok, ça ramène là. Alors, comme Subnautica normal, j'ai déjà fait l'histoire, mais en mode créatif, j'ai jamais fait en... Comment ça s'appelle, en normal, comme ça, en survie. Mais... Il y a peut-être des choses qui ont changé. Déjà, la cinématique du début, elle me disait rien. Et on va faire nos gros rats. J'ai vu qu'il y avait du... Oh, faut que je me refasse aux touches par contre. Hop, on va commencer à farmer.
sur le passage. Du cuivre. Ah, ça, le cuivre, va falloir que je farme, mais en masse. Parce que. On s'en souvient. Oxygen. Ribbon plants contain electrolytic materials that can be used in energy storage. Ah oui, je crois qu'il n'y a pas de champignons acides et c'est les plantes comme ça là pour faire des piles du coup. Et oh ouais, par contre l'oxygène ça va me faire bizarre au début parce que bah, j'ai toujours joué en créatif sur bio 0. Et ouais, donc pas facile. On s'y habitue. Hop, voilà, j'ai pas commencé à m'éparpiller. Je vais d'abord. Est-ce que je peux monter en dessous? Ah ouais, je peux. Très bien. Est-ce que je dis, j'ai pas commencé à m'éparpiller? On va suivre l'histoire principale quand même. Par contre, ça, si je peux en récupérer, ça peut être intéressant. On fera ça au moins à farmer plus tard. Voilà. Alors. Found the drop pod. Ok. Donc. Well, Sam, voilà. I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is as easy to spot as Lil said. Ouais, c'est deux. Ouais, c'est deux. Outils. Alors déjà, caoutchouc en silicone titane. Donc il me faut. Ah, on va faire ça comme ça, ça va être plus simple. Quasi pour l'instant, non. Alors, deux titanes. Là, il va me falloir une pile, un verre, deux piles même. Et caoutchouc en silicone. Should be able to use this. Ouais, ok. Oxygen. Ça, bah tiens, bon. Tout au moins il me le dit. Alors je vais en faire plusieurs là, des trucs en silicone, je vais déjà remplir mon. New blueprint synthesized. Ok. Ok, ok, ok. Alors, on est à la surface, on va pas commencer à mourir dès le début. Alors, je vais en faire plusieurs. Ça c'est pareil, je vais en faire un. Je vais faire un peu de lubrifiant. Bon, ça ne peut que libérer de l'espace. Ok. Donc il va me falloir deux piles.
Et voilà, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Et je peux même me faire des palmes en plus, bah, c'est cool ça. Alors, couteau déjà. Ok. Le scanner. All right, I have a scanner. Et la lampe torche. Ok, alors maintenant, tout ce qui me sert à rien, on va le foutre là. Voilà. Là, du coup, il va y avoir tout à scanner. New creature discovered. Le pochon. Tu vas venir avec moi. Conteneur de matériel d'urgence. New creature discovered. Bon, on va aller voir ça. J'ai juste récupéré un max de pochons pour... Aïe! Pour faire de l'eau. Excusez-moi, j'ai un truc qui m'a atterri dans l'œil. C'est quoi? Corail à étage. Ça se coupe, ça? Non, donc ça sert à rien. Le pot de sel, vous savez quoi, je vais quand même prendre vigne d'orin. Ça, c'est des trucs de base qu'on avait sur Subnautica, mais on va le scanner quand même, on sait jamais. Voilà, les graines. Hop, de quartz. Alors, j'ai souvenir aussi du... Mince. Du petit singe, là, qui nous vole tout. On l'a croisé tout à l'heure. Il va falloir y faire gaffe à lui, genre lui. Genre lui, là, je sais qu'il nous vole un petit peu tout dès qu'il en a l'occasion. Alors franchement, le couteau, ça m'embête pas des masses parce que c'est facile à craft. Oxygen. Mais là, quand ça demande des piles et tout, bon, c'est un peu plus embêtant déjà, je trouve. Oh, le piper. Non, piper arctique, pardon. Hop, bah, tu vas venir avec moi. Tu feras un bon petit repas. New creature discovered. Poisson collier aussi. Hop. New creature discovered. Là, je prends le pochon et je remonte. Oxygen. C'est là-bas. Attendez, ce que je vais faire par contre pour les couleurs après, ce sera... Vivre, c'est intéressant. Ah oui, il y a ces gros poissons là aussi.
Pôle fusion. Bâton lumineux. Ok, le Siglide aussi, ça va être intéressant. Sur 3. Ok. Alors, sachant qu'on se souvient qu'au spawn, il y en avait un fragment de Siglide. C'est insupportable. Kit de soins, ouais. Le PDA. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Voilà, il y a encore d'autres caisses. Alors attends, parce que le truc, c'est qu'il va falloir que je remonte à la surface aussi. Oxygène. Ouais, je sais. Ok, de l'eau, ouais, c'est cool. Non. C'est bon, il m'a rien volé. Faire gaffe avec ces petits singes là. Je vais voir vite fait s'il y a des trucs intéressants par là. Oh non, pas eux. Oxygen. Ça, par contre, c'est top. New creature discovered. Par contre, il va falloir que je remonte vite à la surface. Oxygen. Ouais, je sais. Oh, je vais pas déjà mourir. Ben voilà, j'ai voulu être trop gourmand. J'ai récupéré mon stuff. Petit champignon là à champi cible. Voilà. Bah désolé les amis du coup, hein, c'est pas foufou de mourir dès le début comme ça. J'ai voulu être trop gourmand et voilà ce qui arrive. Tiens, fais-moi de l'oxygène, toi. Ok. Bon. Alors, on va tout récupérer. Some of the wildlife down here is very grabby. Alors, par contre. Oxygen. Voilà, merci. J'ai eu peur.
Ok. Piège à gravité, bon. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais on va le prendre quand même. Oxygen. Oxygen. Ok. Eh, faut que je fasse vraiment attention à mon oxygène. J'ai vu un autre poisson là. Voilà celui-là. Le petit malin qui nous joue. Bah lui, j'attends de pouvoir le bloquer pour le scanner, je crois. J'ai pas envie de mourir à cause de lui. Ici, j'ai tout récupéré. Il y a encore du quartz. C'était à moi. Ça peut être intéressant aussi. New blueprint synthesized. Oxygen. Ok, alors du coup, ça, hop, on va le mettre en vert parce que ça y est, j'ai fouillé le site. Œuvre de créature. Alors on verra si je fais un aquarium. Ça peut-être être intéressant. Beaucoup de quartz par là. Oxygène. Ouais, je sais. Okay, donc il n'y a rien de trop intéressant. On va retourner à la capsule déjà pour... Ouais, y a des poissons pas gentils. On va remonter à la surface aussi. Pour mettre en sécurité tout ce que j'ai sur moi déjà. J'ai pas mal de choses. Et ensuite, on verra. Oui, alors ça, tout désépinglé, ça y est, j'en ai plus besoin. Alors, ok, voilà. Alors, quoique ça, je peux peut-être le manger. Ouais, alors du coup, mes poissons, ils sont partis. Ils se sont évadés. Petit pochon, viens là, petit pochon. Ok. 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 Oxygen. Hop, je prends une graine. Oxygen.
Voilà. Comme ça, j'ai de quoi. Alors, je vais refaire une pile. Ça servira forcément pour plus tard. Ça, je vais remettre celle-là. Ah! Eh bien, écoutez, je vais faire du verre en attendant. Et je vais faire de l'eau. Voilà, comme ça, ça me libère de la place. Hop. J'enlève les notifications. De l'eau. C'est toujours utile. Et là, c'est quoi de nouveau? Poche d'air, ok. Bâton lumineux. Pour l'instant, je m'en fous. Poche d'air, dispositif. J'ai produit du gaz, j'ai clair. Oh, c'est intéressant ça. Il me faut un pochon. C'est pas quelque chose pour me ramener à la surface. Tiens, viens là, petit pochon. J'ai besoin de toi, on va faire des tests. If you are tired of hearing the word oxygen, the air bladder provides a significant upward thrust to help you get to air faster. Alors, admettons que là, je suis en train de me noyer. C'est ultra ultra pratique. On va juste essayer de faire ça, mais un peu plus recharger l'oxygène. Mais non. Par contre, il est vide là. Faut que je remonte à. Ok. Ça, par contre, c'est intéressant. Voilà, comme ça, j'ai le C-Glide. Oxygen. Ok, donc là, admettons. Ok, bah c'est trop bien. Oh, regarde, une... c'est pas le truc du plomb, ça, normalement. Wouh! Par contre, oxygène.
Je reste persuadé que dans le... Sur la balise là, il y avait le... Comment ça s'appelle? Bloc de nutrition, franchement ça sert à rien que... Mince, le verre surtout. Ouais, ça j'ai dit, je vais le laisser dehors parce que ça sert à rien pour l'instant. Ok. Voilà. Siglide pour l'instant, j'en ai pas grand chose à foutre. Oh wow. Magnifique les aurores boréales. Ok. Alors je vais aller vérifier s'il y a bien tout. Et puis après. Ah mais j'aurais dû faire le Siglide du coup, je l'ai maintenant. Je suis bête. Ouais c'est pas grave. Ouais du coup j'ai juste vérifié là pour le... Comment ça s'appelle? Pour le constructeur d'habitat. Et après, ça c'est juste histoire de le débloquer. Oxygen. Détecteur de minéraux. Ouais. Ok, c'est bien. New blueprint synthesized. C'est bien, mais ça m'avance pas. Oxygen. Moi, ce que je cherche, c'est le constructeur d'habitat. Ça, je sais plus à quoi ça sert. Oxygen. Ah, alors là, par contre, fort que. Je me bouge de remonter à la surface. Oxygen. Bah du coup, si j'ai bien compris, je vais me faire foutre parce qu'il n'y a pas de... Ok. Oxygen.
Attendez. Je crois que il y a une caisse qu'on n'a pas ouvert. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a peut-être autre chose intéressant avec. Pas un petit constructeur d'habitat là dans le coin? Non, arrête. C'est une blague, c'est pas drôle, hein. Bah, je crois que c'est pas une blague. Oxygen. Alors, par contre, cette partie-là de mon stuff, je le récupère avec grand plaisir. Ça tombe bien, c'est quoi ? Ok. Bah écoutez les amis, pour ce premier épisode, non, casse-toi. T'es pas beau. J'allais crafter le Seaglide. Ce sera déjà pas trop mal pour un premier épisode. Alors, notre Seaglide, il faut quoi déjà? Je vais ranger ça et je vais enlever la balise. Lubrifiant et fil de cuivre. J'ai largement ce qu'il faut. Hop. Fil de cuivre, voilà. Mais. Et pour la balise, il me faut un fil de cuivre. Enfin, un cuivre, pardon. On va faire deux balises comme ça. The Seaglide is a personal transportation device used for high-speed free diving. Contains a built-in light and map. Okay. Comme ça, si jamais je trouve des endroits sympas. Use beacons to mark traversed territory. Show or hide the signals of your choice with your Xenoworks PDA. Now with surface support. Ok, ah oui, c'est vrai, maintenant on peut mettre les balises à la surface. Ça se mange! Original. Alors ça, je préfère garder la graine ici. Voilà, et perdre la plante. C'est pareil, ça se mange. Ok, et ben sur ce, les amis, moi je vais vous laisser là pour ce petit épisode. Le début d'un long let's play et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du let's play. Weather approaching. Seek shelter. Comment ça mon ref? Bah attendez, du coup avant de terminer l'épisode je vais juste voir ce que ça donne. Il n'y avait pas de la banquise par là. Comment ça, une météo dangereuse? Il y a juste un peu de vent. Ah, il y a un peu de grêlon aussi. Bref, sur ce les amis, moi je vous dis à la semaine prochaine
pour la suite du let's play sur Subnautica. Ciao.